Quill, c'est une société qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions de mobilité électrique professionnelle. Et à travers son produit phare, qui est aujourd'hui le transporteur électrique personnel, on distribue cette solution qui est 100% électrique. Et la thématique par rapport à la COP22, parce qu'on en revient, on a participé à la COP22, on était invité. Et la découverte, en fait, c'est que cette COP22, ça donne des réalités qui sont le marché en Afrique, le marché africain, qui apparaît, c'est un grand marché, et que la plupart des acteurs européens, internationaux, ils sont en train de on va dire, ils sont dans ce terrain de jeu qui est l'Afrique, où tout est à faire. C'est un continent où la ressource énergétique, elle est présente, d'ailleurs avec le soleil. Le Maroc est un des pays aussi organisateurs de la COP22 de cette année, et qui donne cette preuve-là avec l'investissement. Il y a beaucoup d'investissements, il y a une économie verte qui est vachement avancée, et qui appelle des investisseurs européens, des investisseurs des pays riches, des pays du Golfe, des investisseurs américains. Et ce qui fait que, et ces dynamiques-là, elles se propagent dans toute l'Afrique. Et pour nous, c'est une découverte, parce qu'en fait, on se dit que notre démarche internationale, elle va commencer sûrement par l'Afrique. Et du coup, c'est ça l'intérêt, où d'autres pays, ils l'ont déjà compris, ils sont présents, ils étaient présents dans ce salon-là, qui donnait en fait un témoignage par rapport à la dynamique portée par l'Afrique et la croissance verte.